Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va tester Burgous. Bref, vas-y, moi j'ai la... Alors, on commence par quoi? On commence par les frites. Alors, les frites, du coup c'est un petit carton comme ça. Joli packaging. Petit carton. Packaging, good vibes. Apparemment, tu sais que j'ai vu plein de gens dire qu'il n'y avait aucune quantité. Eh toi, t'es gris, wesh. Eh moi, je fais pas partie de ta team. Ça va, en vrai. Eh moi, je souhaite que... Non, en vrai, ça va. Bah ça va. Non, ça va, non, j'ai... Non, refais pas, je crois que j'ai pas eu la bonne frite. Non, en vrai, il y a assez. On a pris deux burgers, le Winter. Bon, en gros, on a pris deux classiques hier qu'on a mangé dans la voiture. Sauf qu'il y a pris des végétariens. Donc, on s'est tapé un steak d'aubergine. Ta gueule, j'ai payé. On n'a aucune idée du goût. Green Burgous, 25 euros pour deux Green Burgous. Eh, je vous jure, je critique pas. Et même, vraiment. Le Green Burgous à l'aubergine, il doit avoir une rentabilité là-dessus. Incroyable. Bah, moi, je me dis, c'est la viande qui coûte cher dans un burger. Tu vois. Mais et bref. Là, il n'y a pas de viande. On a pris le Winter et le. Et comment t'es assis, toi? T'es à l'école ou quoi? Tu t'assois comme ça à l'école? Je la lance. C'est Burgous. Je la lance et tu t'as l'air rattrapé. Ah, ouais. Ouais, non, mais vas-y, tu vas niquer, arrête! Ah, c'est bon, Burgous! Ah, Burgous, c'est trop bon! Ah, j'adore Burgous! Non, mais j'adore Burgous, putain! Eh, franchement, le packaging, c'est vraiment stylé! Vraiment! J'ai envie d'avoir un public, je. Non, non, c'est bien, ouais! Allez, on goûte! Allez, on goûte! C'est Burgous! Non, franchement, vraiment pas mal Burgous. Le pain, par contre, est super bon. De ce qu'on a goûté hier. C'est genre un pain au lait, un peu. L'aubergine. Et franchement, l'odeur, vraiment pas mal. Les gens qui aiment les cornichons dans les burgers, je... Vraiment pas mal l'odeur. En vrai, il est très, très bon. En vrai, il est très, très bon. Ah ouais. Ah ouais. C'est Burgous. En fait, il y a trop... Il est gras, par contre. Et là, celui à la truffe. Il est vraiment vraiment gras, mais il est bon, ça coule de partout. Honnêtement, Balou, si tu regardes cette vidéo, bon, là on parle de la truffe, là, celui qu'on vient de goûter. Il est trop trop bon, vraiment. J'ai un bout de viande dans la dent. Mais sinon, c'est vrai que niveau prix quand même... Non mais moi je trouve que le prix est justifié par rapport au produit, tu vois. Ah non, mais il est bon, après mais... la viande, je sais pas c'est quoi. Mais... C'est vrai que je me dis, genre par exemple le produit, le burger hier végétarien, 25 euros pour deux. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien, tu vois. Mais genre là, celui-là à truffe, moi ça me dérange pas le prix. Le pain est bon, hein. Ouais, ouais, le pain est bon, ce qu'il y a de moins cher. Ah, mais on n'a pas goûté à la sauce. Attends. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais attends, je le dis que la sauce. Non. Non. Mais je goûte la sauce. Tu remets dans ta bouche. Je pense que c'est une vraie utilité parce que ça garde la chaleur. Ouais. Non, par contre, c'est dingue, en vrai, son packaging. Bon, là, on teste la petite sauce Burgous. Donne-moi de frites. Tu veux une pomme de terre? Tiens. Tu fais quoi? Elle vient de boire une sauce. Mais tu me donnes pas de frites? On dirait de la moutarde. Ah, je sais pas. Même pas? Vous savez que j'ai roté sur commande. Allez, arrête! Ok, bon, burger de Noël. Ouais, bah ouvre-le ton burger de Noël. Il y a un petit pain vert et un pain rouge qu'on voit pas trop. Si, ça se voit. Allez, vas-y, c'est parti les mecs. Oh. Il y a un arrière-goût de bière un peu. Non, ouais, c'est de la cannelle. C'est bizarre d'avoir mis de la cannelle. Ouais. Non, moi celui-là, je sais pas. Bah, moi c'est. Il est pas dégueulasse. Non, mais c'est un burger de Noël. Ouais. Mais il y a les goûts de Noël, tu vois, c'est original. Non, mais après, encore une fois, c'est que les goûts et les couleurs. Mais je sais pas. Ça sent fort la cannelle quand même. Ouais. Enfin, je préférais. En fait, même le pain, je préférais celui de l'autre. Non, franchement, le truc à la truffe est 10 sur 10. Mais vraiment. Là, celui-là, il est pas mauvais, c'est un burger. Mais il y a un arrière-goût qui vient. Non, c'est juste original. Ça. Si vous aimez la cannelle, vous allez. Ouais, après, faut aimer la cannelle. Un entier, je l'aurais pas mangé. Ouais, voilà. Bah, même là. Non, je suis par pas contre, en train de... la voilà, viande, elle est super bonne, tout est bon. C'est juste que non, faut aimer contre, la cannelle. Vraiment, le pain, il est incroyable, même dans celui-là. Le steak, il tue sa mère. Je trouve que t'en as pour ton argent. Mais ouais. Celui-là, il y a... Ouais, non, parce que tu vois que c'est un bon... Des le burger, il est de bonne qualité. Mais le problème, c'est que... Mais non, il y a un original, arrière de cannelle, moi, j'aime pas. En plus, j'ai mal au bide, je vois. Allez, bon, du coup, les amis, note finale. Franchement, on va être objectif. C'est de la très bonne qualité, les burgers. C'est une dinguerie. Pain, viande et tout. Franchement, c'est de la bonne qualité. Après, honnêtement, Balouz, en vrai, je le kiffe dans sa personnalité et tout. J'ai pas envie de le descendre parce que déjà, c'est super ce qu'il fait. Il tente des trucs. Mais c'est vrai que bah, le Winter, moi, j'aime bien. Viens, on donne des points positifs et négatifs. Les points positifs, c'est quoi? La qualité du burger. Ouais, le pain, la viande. Voilà. La qualité du packaging. Ouais, que, en le vrai, packaging je trouve en que mode ça garde assiette. Chaud et tout. Non, mais même... c'est pratique pour manger. Ouais. Franchement, il a travaillé là-dessus. Ça, c'est une dinguerie. Voilà.
Et par contre, les points négatifs, ça peut être le prix. Même si je trouve que pour certains burgers, ça va. Et l'attente. Par contre, l'attente, je sais pas si c'est nous, mais 45 minutes. Non, ouais. Après, le problème, c'est que ça, c'est pas de sa faute. En vrai, c'est bah, ouais, mais... les équipes et tout. Mais c'est on vrai parle que. De Burgos, on parle en de fait, et surtout qu'on n'a pas fait livrer Uber Eats. Ouais, on a été chercher à la source, au food court. Donc en fait, c'est vrai que ça veut dire que si tu te fais livrer sur Uber Eats, tu peux vite monter à 70€. C'est quand même. C'est quand même... Le burger à la truffe, si t'aimes bien la truffe, 10 ouais, sur 10. Ouais. Le Winter Long Mekong. Si t'aimes la cannelle, 10 sur 10. Voilà, c'est ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire les mecs. Maintenant nous on encourage, faut encourager les gens qui tentent des choses dans leur life. Elle tu vois, elle tente non, pas. Non, pas elle, du tout, pas elle du tente tout. Pas, elle, elle est aigrie, j'ai tu viens descendre le travail de Valou. Vraiment pas, vraiment pas. C'est du good job my friend. Non, vraiment pas. Mais là les gens ils doivent rien comprendre. Ouais mais il y aura un montage. En fait on aime bien ou on aime pas. Il y a des gens, on fait de la merde avec moi. On s'en va, on s'en va. Bon, putain. Non mais vas-y arrête, je crois on fait de la merde. Et on dirait, je suis un vrai comédien ou pas? Mais moi, tu m'as choqué d'avoir changé d'humeur aussi vite. Sérieux? La vie de ta mère? Mais tu sais que moi, j'ai plusieurs compétences et que je peux pleurer, rigoler. Vas-y, pleure. Non, mais vas-y, en vrai, c'est pas marrant.